La médaille d'argent olympique de Rudy Gobert dans les mains. Ah ouais. C'est lourd. Et des étoiles plein les yeux. Le mois dernier, avec l'équipe de France, le basketteur remporte la deuxième place au JO en s'inclinant en finale face aux Américains, meilleure équipe du monde. Dimanche matin, au pied du Palais des Sports, ces jeunes joueurs qui rêvent de marcher dans les pas de Rudy Gobert s'improvisent journalistes. Qu'est-ce qui manquait à l'équipe de France pour avoir la médaille d'or aujourd'hui ? Quelques petits points, quelques petites erreurs, des petits détails. Qu'est-ce que tu penses de ta performance avec l'équipe de France ? On a vraiment un super groupe, c'était vraiment une super expérience. Pourquoi j'ai bien mangé quand j'étais petit, et je pense que mon papa est très grand aussi, donc j'ai pris un peu des gènes de sa taille. Pour ces jeunes et leurs parents, la rencontre avec leur idole de 2,16 m n'était pas annoncée. C'est une véritable surprise. On essaye de suivre Rudy Gobert. Il passe partout, il est très fort. C'est bizarre de voir quelqu'un qu'on voit à la télé dans la réalité. C'est bien qu'ils viennent montrer l'exemple aux basketteurs de plus jeune âge pour donner l'envie de progresser et de s'investir dans les entraînements. Ceux qui l'ont connu regardent admiratif le parcours de leur ancien coéquipier. Il n'y avait pas grand monde qui était derrière lui quand on était jeune. Et tout le travail qu'il a fourni, tout le travail qu'il a amené, ce qu'il a pu faire aujourd'hui, il en arrive là, c'est lui qui a montré qu'il pouvait faire des choses. Je suis quand même aussi fier de connaître le gamin de Saint-Quentin. Un retour chez lui pour l'enfant de Saint-Quentin, toujours ému d'être ici. Dans chaque aventure, il y a un point de départ. Et voilà, ici pour moi, c'est mon point de départ. Et voilà, c'est ce qui rend l'aventure belle, c'est de ne pas oublier là où tu as commencé, peu importe où tu finis. Rudy Gobert devrait prochainement reprendre la direction des États-Unis pour la reprise du championnat de NBA. Les enfants, eux, garderont longtemps en mémoire cette journée.